Viens. Reste pas là. Il y a une fille qui t'attend ? Oh, non, pas du tout. Oh, non, c'est compliqué. Ta voiture est garée loin ? Non. Tu peux m'expliquer en gros ce qui se passe ? Attends. Je promets, je le répète à personne. Attends, viens, vas-y, toi. On peut manger là, hein ? Ouais, on peut manger. C'est que les mecs, ils sont dans le restaurant. Ouais. Ils t'attendent pour surprise. Et se trouve que. Et tout à l'heure, je les ai au TC ou j'appelle ma voiture. Ils me disent attends encore un quart d'heure et machin et truc. Et moi, ils font chier parce que au début, le scénario m'amusait. Ouais. Ça me faisait assez rire. Ils voulaient faire une blague dans le restaurant avec un mec, etc. Merci. Et depuis 2 jours, c'est devenu un scénario catastrophe. Tiens, regarde. C'est tout. Je t'assure, c'est nul. Tu sais pas s'ils vont faire. Alors, Guy, on va nous préparer pour faire un peu de demain. Alors, avec des questions seulement. Regarde, ils sont en train de récolter. Ok, attention, prêt pour le lustre. Allez, on y va. Et là, le lustre va tomber sur la table. Mais toute la journée, ils se sont plantés. Toute la journée, ils se sont plantés. Tout pour le lustre, Guy. Oh putain! Oh quel non mais les gars, s'il vous plaît, là, faut pas que ça arrive comme ça là. C'est la victime qui va être assise là. C'est Bouchna qui va être assise là, donc il faut pas que ça arrive de cette façon. Il voulait que je sois assis là? Écoute, il faut absolument qu'on prenne un que le mec, est-ce que tu sais, il est bien là? Est-ce que ça va bien? J'en ai fait plein la tête. Attends, on va faire comme ça juste avant. Bon, allez, écoute, on n'a pas de temps, on réenchaîne. Alors, tu installes le lustre et on continue la révision. Ouais, on peut faire la table quand tu veux. Alors, t'es prêt pour le coup du plateau? C'est un petit du plateau, regarde. C'est une catastrophe avec toi, avec ton costume. C'est une catastrophe, le coup du plateau avec ton costume. Non, vous voulez faire ça, c'en est cool. Avec des spaghettis. Dans une catastrophe. Merci. Ça, c'est parfait, c'est génial. Je vais me mettre à voir plein la gueule. Je vais les appeler. Je vais faire Jean Chou dans la voiture. Dis-lui que je suis malade. Allô? Vous m'entendez? Oui, c'est Eli Chouraki. Écoutez, on a un petit problème parce que... Dommage, j'avais une cravate. Non, mais je sais pas, vous m'avez dit qu'il y avait quelqu'un d'autre que lui. Je suis désolé, écoutez, vraiment, je suis désolé. Mais là, j'ai vraiment pas pu le retenir. Voilà, merci, au revoir. Bon, écoute, c'est très important. On s'est fait couillonner par Chouraki, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on continue la répétition et on n'annule pas la deuxième victime, on va faire avec la deuxième victime. Mais je veux qu'on termine la répète, ok? C'est 10h du soir. C'est pas vrai. Mais si, depuis 10h du soir, il y en a toutes les heures. C'est qui vient? Là, je sais pas. Bon, alors écoute, tu es prêt pour la dernière intervention? Parce qu'il y avait encore après le. Je viens voir ce que je devais faire moi. J'étais toute la. Mais pas comme ça. Pas avec tout le feu, merde. Et reviens ici là. Non, pas lui. Pas toi, qui. Merde, t'as pas pris le bon extincteur. T'as éteigné le, merde. C'est un chou. C'est un mec qui. Mais on a besoin de lui tout à l'heure. Il fait chaud. À mon avis, c'est une fille qui l'a allumé. Elle lui a dit. Tu sais, t'as vu que tu me trouves pas mal. Une minute, on est prêt pour la deuxième victime qui revient. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça arrive déjà? Il y a un type qui va prendre le lustre sur la tête et qui va prendre le plateau, il va voir son copain sortir en flamme. Mais non, le lustre il n'est pas censé tomber sur la tête. Le lustre il tombe sur la table. Mais là il est tombé sur la tête. Là, oui, là il est tombé sur la tête parce qu'ils sont malades. Hein. Ils sont. Ah, mais monsieur, alors imagine que c'est par exemple une actrice. Elle n'est pas là prêt pour la façon de séjour. Non, si c'est quelqu'un qu'on connaît, je vais lui dire. Attention, stand by, la victime.
Elle est où? Il te demande rôle des caméras, s'il vous plaît. C'est Smaïl. C'est Smaïl? Ouais. Je lui dis, je lui dis. Smaïl, il va se faire piéger le faux. Enfin, il faut le prévenir. Je peux pas, la vérité, je peux pas. Le pauvre, tu te rends compte? Non, mais là, ils ont dû le régler, le lustre, maintenant. Mais il a plus sur la gueule, le lustre, ma gueule, il a plus sur la gueule. Il a pris sur la gueule, le lustre, tout à l'heure. Il a pris, il a... T'as pas vu comment le type, il a pris? Mais qu'est-ce qu'on fait, alors? Tu as le numéro de téléphone? Tiens le téléphone, donne-moi le téléphone. Standby, intervention du lustre. Non. Vite, parce qu'il va prendre le lustre. Attention, intervention du lustre, attention, 5, 4, mais non, 3, vas-y. 2, 26, 24. Il n'y a pas la tonalité. Non, il est volé. Attention, attention. Il est où? Et non, j'ai renoncé mon cul. Il est où, Smaïl? Il vient là, il vient là. Tu l'as pris le lustre? De quoi? Tu l'as pris le lustre sur la tête? Oui, à l'extérieur, là, j'en perds. Alors, raconte-moi. Seul. Attends, j'ai quelque chose, je m'excuse pour le... Pour le tu l'as pris le lustre, mais j'ai parti chercher quelque chose à l'extérieur. Tu viens? Oui, je vais venir. Je vais venir. J'ai essayé de En principe, là. En principe. Sinon, ça va bien. Faut un film, là. Non. Tu vas te faire bananer, là. Tu vois, je suis une banane, ton banane. T'as joué, toi, ce soir. Ça va? Tu vas te faire bananer. Attends, je demain soir, après, on fait une deux et tout, hein. Oui. Ça va, tu es une banane. Je suis une banane. Je suis une banane. Je suis une banane. Je suis une banane. Attends, j'en ai une. Attends. Si tu vois, t'en peux pas sortir en flamme. Bananer, t'es au courant maintenant. Voilà. Bananer toi. Tu vois, la revanche de la banane. Ça veut dire. Je te jure, va là-bas toi. Le mec il va venir avec le plateau. Tu vas voir. Je l'ai vu répéter tout à l'heure. Il va venir avec le plateau, il va te renverser le plateau sur toi. Ouais. Un. Non, mais sérieux. Oui, mais un, le plateau. Un, c'était le lustre. Tu t'es levé toi. Tu t'es levé. Deux, la soufflé moi. Et trois tours comme ça. Attends, Michel, arrête. C'est quoi ça? Comment tu veux qu'il me croit si je lui dis c'est son copain il va à la toilette, il va te sortir en flamme. Il peut pas. Si je lui dis. Mademoiselle. Arrête. Vous avez vu un homme sortir en flamme tout à l'heure? J'ai pas rêvé. Il est sorti en flamme avec un titre avec un extincteur derrière. Je sais pas qu'un mec était en face. Attends, Michel, c'est pour moi. Il répétait. Et comme moi, Jean, il m'a tout dit ouais. Que je pouvais pas y aller, ouais. Je peux pas. Jean, lui, il pouvait pas être en flamme. Il m'a dit, j'y vais pas. C'est une émission de télé, quoi. Oui. Et pourquoi c'était toi qui devais le faire? Non, toi, moi, tout Paris. Ils ont. Une demi-heure, il y a un mec qui prend le lustre sur la gueule. Même le lustre, il en a marre. C'était pas toi qui devais avoir. Le lustre, il va se mettre en grève 10 fois. Mais c'est pas toi qui devais avoir. Toi, moi, tout le monde. Alors. Mais je crois, à mon avis, que c'est plus toi que moi. Ma parole, c'est plus toi que moi. Pourquoi toi, plus toi que moi? Parce que si tu t'es fait niquer. On a vu la raison. Tu viens de te faire niquer très grave. Micro Zamato! T'es là dans le lustre! Il va pas laisser mourir!